Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la Semaine nationale de l'environnement, une forte délégation du ministère de l'Environnement et du Développement durable, conduite par le ministre Mohamed Abdelkader Moussa Hellem, s'est rendue à Tadjoura mercredi dernier pour visiter les chantiers des projets conduits par son département et rencontrer également les communautés bénéficiaires. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'environnement qui, rappelons-le, a été lancé par une cérémonie officielle organisée en grande pompe le 17 octobre dernier au Palais du Peuple et placée sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. À son arrivée à Tadjoura, le ministre Mohamed Abdelkader Moussa Hellem a été accueilli par le préfet de la région Hassan Dabele et par le président du conseil régional Omar Hussein avant de se rendre sur les différents chantiers des projets. Et par la suite, le ministre s'est également rendu sur le site des aires marines protégées du Sable Blanc et de Raïs Ali, où il a pu mesurer les efforts conjointement menés par le ministère de l'Environnement et les différents usagers des aires marines pour répondre à des objectifs de protection de la biodiversité marine et pour favoriser la gestion durable des ressources marines.